Donc, on a vu dans les vidéos précédentes que le coefficient de frottement cinétique, μc, était dans un certain nombre de cas inférieur ou égal au coefficient de frottement statique, s. Et donc, en fait, la question fondamentale, c'est donc pourquoi, pour certains matériaux, on a un coefficient de frottement cinétique qui est plus faible que le coefficient de frottement statique. Donc, pour essayer de répondre à ce problème, on va étudier deux cas. Donc deux blocs identiques qui à chaque fois sont sur la même surface, sachant que le premier cas, ce bloc est complètement immobile, et dans le second cas, le bloc se déplace avec une vitesse constante. Donc ici sur la gauche, on est dans le cas de mu c'est-à-dire que le coefficient de frottement statique s'applique à ce système, puisqu'il est immobile, et ici, on est dans le cas d'un coefficient de frottement cinétique. Et donc la question est... Pourquoi on doit appliquer une force plus importante pour accélérer un bloc immobile que lorsqu'on cherche à accélérer un bloc qui est déjà en mouvement avec une vitesse constante Alors pour essayer de répondre clairement à cette question, bien on va se creuser un peu la tête et on va surtout regarder à l'échelle atomique, donc on va zoomer de manière énorme sur cette interface pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau du contact de la matière à l'échelle atomique. Donc la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des molécules et des atomes pour cette surface de contact Donc déjà, on peut tordre le cou à une idée reçue, il n'y a jamais vraiment de contact, c'est dans le sens où il n'y a jamais un atome, un noyau d'un atome qui va toucher le noyau de l'autre atome de l'autre côté, côté de la surface, puisqu'en fait, il y a une répulsion électromagnétique entre les électrons qui sont d'un côté de la surface et qui appartiennent à un noyau à un atome et les électrons qui sont de l'autre côté de la surface qui appartiennent à un autre atome. Et en fait, quand par exemple, tu tiens un stylo ou une tasse dans ta main, eh ben, ce qui se passe, c'est que le contact, c'est en fait la limite à laquelle tu peux approcher les électrons de part et d'autre de la surface, donc de part et d'autre de tes doigts et de l'objet que tu tiens dans ta main. Donc si on zoome, à une échelle énorme sur cette interface donc ce qu'on va voir en fait c'est que cette interface n'est pas du tout plane elle a plein de petits pics de petits creux etc donc si on zoome par exemple jusqu'à l'échelle du micromètre donc 10-6 mètres ou encore plus du nanomètre 10-9 mètres ce qu'on va voir c'est que la surface n'est absolument pas plane elle n'est pas parfaite et il va y avoir comme sur ce schéma que j'ai mis ici bah, des petits pics des creux qui sont complètement on va dire aléatoires de chaque côté de la surface et donc si on veut vraiment produire un mouvement, par exemple déplacer cette surface dans ce sens ou celle-ci dans ce sens, eh ben, il va y avoir un tas d'obstacles qu'il va falloir contourner. Par exemple, si je regarde à cet endroit sur le schéma, eh ben, ce point, clairement, si je déplace la surface du haut vers la droite, il va rentrer en collision à cet endroit-là. De manière symétrique, ici, ce point va rentrer en collision avec la montagne en face. Et donc on se rend bien compte que pour qu'il y ait glissement, eh ben, il va falloir dépasser les problèmes créés par ces pics et ces creux qui rentrent en collision. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il va falloir soit shifter un peu la surface vers le haut ou vers le bas. Donc bien sûr, à l'échelle macroscopique, à notre échelle, on ne va pas voir qu'il y a un changement d'altitude de quelques molécules. Ça peut aussi être simplement arracher de la matière. Par exemple, si on arrache ces pics en poussant assez fort... Pour lisser la surface. Donc en fait, le seul moyen d'avoir ce mouvement qui commence, c'est soit de décaler un peu ces deux interfaces pour qu'il puisse y avoir vraiment quelque chose qui coulisse, soit d'arracher de la matière, des atomes, des molécules, pour en quelque sorte lisser ces interfaces et que les pics et les creux ne fassent plus opposition au mouvement. Par contre, dans le cas d'un bloc avec une vitesse constante, en mouvement, on peut imaginer que effectivement on a réussi à dépasser ces problèmes de collision à l'échelle atomique et que par exemple les deux surfaces sont légèrement décalées bien que complètement identiques dans les deux cas elles sont légèrement décalées l'une par rapport à l'autre ce qui permet en fait un mouvement avec un peu moins de résistance donc bien sûr c'est une compréhension assez intuitive du phénomène parce qu'en fait, bien sûr, au niveau physique, c'est extrêmement plus complexe. Par exemple, on peut mentionner l'existence de liaisons entre les atomes de chaque surface. Dans le premier cas, en plus des rugosités, des pics et des creux, il peut y avoir des liaisons chimiques qui s'établissent entre les atomes de chaque surface. Et dans le second cas, même s'il peut y avoir des liaisons chimiques entre les, les aspérités les plus proches, on n'a pas ce phénomène de pics et de creux qui peuvent se coincer l'un par rapport à l'autre, puisque les deux surfaces sont constamment en mouvement. Donc bien sûr, je le répète, c'est une vision et une compréhension un peu intuitive de ces forces de frottement à l'échelle microscopique, à l'échelle de la molécule, à l'échelle de l'atome. Donc ce n'est absolument pas une explication exacte et il y a encore beaucoup de gens qui font de la recherche sur ce qui se passe vraiment au niveau de l'interface, au niveau des surfaces en fonction des mouvements. Mais on peut essayer de comprendre un peu intuitivement quels sont les phénomènes en jeu avec ce type de petit schéma et donc ce qui peut éventuellement nous aider à mieux comprendre pourquoi le coefficient de frottement cinétique est dans certains cas, pour certains types de matériaux, est plus petit, inférieur ou égal au coefficient de frottement statique.